Salut les amis, c'est Samuel. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. C'est un produit de la ACGHK, donc produit vendu par Hot Toys au salon à Hong Kong. Il s'agit, comme vous le voyez sur le visuel, d'une Marvel Light Box. Donc une lampe Marvel, quelque chose d'assez simple. Donc voilà, moi je vais utiliser cette lampe pour la mettre au-dessus de mes Detolf. Vous savez, j'ai une triple Detolf pour ceux qui me suivent avec tous mes Marvel Avengers à l'intérieur. Et donc cette lampe va trôner juste au-dessus. Je vous mettrai une petite photo tout à l'heure avec la lampe installée pour vous montrer ce que ça donne. Au niveau du visuel, eh bien, on a une superbe boîte rouge avec donc Marvel. On a les 10 ans, donc c'est une petite lampe qui est sortie pour fêter les 10 premières années du Marvel Studio et du MCU. Donc on a Marvel Studio écrit The First 10 Year, donc voilà les 10 premières années. Marvel Lightbox, c'est de la marque Hot Toys. Sur le côté, totalement la même chose. Sur l'arrière, on a justement eh bien, la lampe qui est représentée, qu'on peut accrocher au mur si on veut, ou alors le poser simplement sur un meuble à l'envie. On a le logo officiel, donc Marvel anti-contrefaçon. Voilà, quelque chose d'assez joli. Et puis une petite note sur l'arrière qui nous dit donc en anglais, ajouter une touche cinématographique charmante à votre intérieur avec cette lampe stylisée. Donc accompagnée du logo Marvel, elle réchauffera donc votre intérieur et votre esprit de super-héros. Voilà, utilisez-la sur votre mur ou dans un display classique, les possibilités sont infinies. Waouh, c'est top. Allez, on passe tout de suite eh bien justement à la présentation de cette lampe. C'est parti. Voilà les amis, voilà donc la fameuse Marvel Lightbox. Donc c'est une box qui fait 40 cm, donc elle est très grande, sur à peu près 15 cm de haut. Sur l'arrière, les amis, on a donc deux encoches pour pouvoir mettre eh bien, des vis à votre mur et pouvoir eh bien, l'accrocher style lampe murale, un petit peu comme dans les cinémas ou ce genre de choses. Sur le côté, on a le bouton on-off et le port USB pour l'alimenter. Alors, pourquoi sur le côté et pas sur l'arrière? Eh bien, simplement que s'il avait mis sur l'arrière le port USB, vous ne pouviez pas l'accrocher au mur. Alors, je me suis fait la réflexion hein, quand j'ai installé sur mon meuble eh bien, la lampe Marvel. Et j'ai vu le câble sur le côté, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est moche. Sur le côté, le câble qui sort comme ça, ils auraient dû le mettre derrière, au moins on l'aurait pas vu. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, s'il l'avait mis à l'arrière, au mur, ça s'accroche pas. Alors, on va l'allumer ensemble, il y a un câble USB qui est donc fourni, donc USB vers USB. Hop, on la met ici, ça se branche sur le côté, elle est en mode off. Et puis, il n'y a pas de chargeur fourni, donc vous prenez un chargeur simple de votre smartphone ou autre, ça fonctionne hyper bien. Hop, je le branche dessus, c'est du 5 volts. Hop, c'est parti. Voilà, donc ça s'allume ici sur le côté. Et le light up, mais alors est puissant. Ça fait vraiment un superbe rendu rouge avec le logo Marvel de blanc devant. Le résultat est vraiment sublime. Mais vraiment sublime. Je vous montrerai dans la pénombre tout à l'heure eh bien, la puissance des lights, que vous puissiez voir un petit peu eh bien, ce que ça donne dans le noir. Donc cette lampe est vraiment faite pour tous les fans de Marvel. Tous ceux qui ont des hot toys, ce genre de choses, et qui veulent avoir eh bien, la lampe Marvel au-dessus de leur collection. C'est vraiment fait pour vous. Elle a un coût, on en parlera forcément dans la conclusion. Et la conclusion justement, eh bien, on y va. C'est parti. Voilà les amis, Hot Toys Marvel Lightbox. Bon ben vous savez, de toute façon Marvel a violé Hot Toys dans tous les sens et Hot Toys a violé Marvel également dans tous les sens. Donc par devant, par derrière, je ferai tout pour te plaire. On est vraiment sur quelque chose de dingue au niveau du viol mutuel des produits dérivés de chez Marvel chez Hot Toys et de chez Hot Toys chez Marvel. Alors cette Lightbox est disponible à Hong Kong, on la trouve pas du tout en Europe, elle est pas vendue chez les revendeurs. Vous pouvez la trouver toujours dans les liens partenaires que vous trouvez dans la description de la vidéo chez Timsen, Toys for Kidults. Mais comme toujours, je vous conseille de la prendre chez Timsen. Moi c'est de là-bas qu'elle vient, l'envoi est hyper bien géré, c'est super rapide, c'est hyper bien protégé, donc n'hésitez pas, dans la description vous avez tout ce que vous avez besoin. Le tarif, on est aux alentours entre 100 et 130 euros en fonction de la fluctuation eh bien, de l'offre et de la demande et du dollar également. C'est dans ces prix là moi que je l'ai payé, je pense que je l'ai payé 110 euros, donc c'est un coût, ça peut être cher pour certains, mais comme je vous l'ai déjà dit, quand on aime on ne compte pas. Voilà les amis, c'est tout pour moi et c'est tout pour cette Marvel Lightbox. Je vous fais un petit visuel rapide, vite dans la lumière et dans le noir, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement si possible, si vous avez envie. Et puis si vous avez du temps, dans la description, il y a le lien Utip, vous pouvez aller voir quelques vidéos pour sponsoriser la chaîne totalement gratuitement, les amis. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour tout ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.